Bonjour. Alors, chaque mot est une clé vibratoire. Donc, nous attirons ce que nous pensons. Donc, si nous vibrons de la peur, nous attirons de la peur par des circonstances de peur, avec des épreuves de peur. Si nous vivons de la joie, nous attirons de la joie. Et uniquement comme ça. Donc, nous créons des clés vibratoires. Les pensées sont des clés vibratoires. Les prières sont des clés vibratoires. C'est comme si, qu'en fait, quand nous pensons, nous sommes toujours en train de prier. C'est pour ça qu'il faut tourner, en fait, toutes nos pensées, toutes nos verbalisations, tous nos mots vers des clés vibratoires positives et quelque chose qui nous arrive. Voilà. Et donc, pensez déjà à nous-mêmes. Si on a eu des épreuves, je dirais, négatives, eh ben, les retourner en épreuves positives par des mots vibratoires, en envoyant par exemple de l'amour aux gens qui nous ont fait du mal. Car chaque circonstance est une épreuve. Et cette épreuve deviendra vibratoire, en positif ou en négatif. Si vous voulez réussir dans votre vie, pensez positif, raisonnez positif. Et vous y arriverez. Combien de fois j'entends des gens, si je pouvais me le permettre. Non, non, tu peux te le permettre. Si ça devient vibratoire, si tu y crois, si tu travailles suffisamment sur toi et si tu te fais accompagner de personnes qui t'aideront. Voilà.